Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo aujourd'hui. À côté nous porter tout ça qui a dominé l'actualité football là pour tout. Victoire Paris Saint-Germain sur l'équipe Atalanta, mes amis, qui a saccagé la presse. Toute la presse a parlé de lui dans tout le pays, dans le monde. On va venir avec résumé Golliobou, avec résumé match à mes amis, moment fort qui a gagné belle parade. À côté Neymar a raté plusieurs goals, etc. On va venir parler de match en fond, mais surtout nous va venir avec une nouvelle dans le pays d'Angleterre qui fait qu'on est que l'équipe Manchester United a perdu Jadon Sancho. Donc s'il va passer rapide, vite pour le payer à la caisse. Et nous surtout nous gagnons mes amis Dani Parejo lui-même avec Coquelin qui débarque dans l'équipe Villarreal là. Et nous gagnons un pays Portugal, équipe Benfica lui-même qui passe suspendre dans saccager le marché de transfert là. On va prendre un tout petit peu de temps pour venir avec tout détail qui a dominé l'actualité football là et surtout le goal qui a fait dans le match Paris Saint-Germain avec Atalanta. On commence la vidéo presse là, logiquement, dans le pays de la France avec le journal L'équipe qui mettait à la une des mains, menée incroyablement maladroit. Paris, grâce à Marquinhos et Choupo-Moting, a tout renversé et inscrivant deux buts dans les dernières minutes. Il disputera mardi sa première demi-finale de C1 depuis 20 ans contre le vainqueur du RB Leipzig et Atlético de Madrid qui a joué jeudi à la. Donc on est l'équipe ça qui a vraiment souffri dans le match contre Atalanta, mes amis, il a fait rencontre là, donc Choupo-Moting avec Marquinhos qui était marqué, qui était permettre l'équipe Paris Saint-Germain battre 2 goals à 1. Dans la douleur que l'équipe s'aligne à qualifié pour les demi-finales 20 ans après son journal L'équipe. Et bien toujours dans le pays de la France, le journal Le Parisien qui parlait de ça, tout le mettait à la une renversant. Ligue des champions menée jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les Parisiens se sont qualifiés en 3 minutes. La malédiction des quarts de finale est vaincue. Et bien justement, l'équipe Paris Saint-Germain qui marquait 2 goals, mes amis, en 3 minutes pour qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Et bien toujours dans le pays de la France, le journal Minuit Sport, lui-même, c'était un pari miraculé. Et pour jouer ça, c'était définitivement un miracle parce que Paris Saint-Germain était tout près à la maison pour être capable d'éliminer de la Ligue des Champions. Et bien, nouvelle qui rebondit juste dans le pays Belgique avec le journal Dernière Heure qui mettait à la une à Paris, s'est fait très peur. Et nous connaissons que tout le monde était désolé que Paris Saint-Germain est éliminé, mais quand même, elle a renversé tendance. Donc, il bat 2 à 1, donc ça qui bat les qualifications pour les demi-finales qu'on a atteint RB Leipzig ou du moins Atlético de Madrid. Ma petite journal dans le pays la France, nous parlons dans le pays l'Italie, le journal Gazzetta dello Sport qui mettait à la une comme ça, non. Le journal là qui mettait, mes amis, élimination équipe Atalanta, mes amis, qui est vraiment douloureux, mes amis, nous connaissons l'équipe ça qui t'a mené au score jusqu'à la 90e minute de jeu. Mais Atalanta qui fait un bon parcours, mes amis, qui dans la Ligue des Champions, notamment dans la Serie A, Anessa, qui était vraiment surprenant en pile monde, mais définitivement qui éliminé, donc qui fait un bel parcours selon le journal Gazzetta dello Sport. Toujours dans le pays d'Italie, nous voyons le journal Tutto Sport qui mettait à la une, fier de vous. Donc à tout le monde vraiment fier de parcours, équipe Atalanta Bergame a éliminé dans la Ligue des Champions et suite dans la Serie A, Anessa, je ne te doute déjà. Mais le journal qui mettait à la une, malgré qu'on défaite, qu'on a fait face à l'équipe Paris Saint-Germain, donc à la DS, on a fait tout ce capable. Donc, le journal qui vraiment mettait un grand mérite pour l'équipe Atalanta. Mais le journal qui mettait un bombe à la une, puisque mettait Dybala est sur le marché. Mais notamment, nous connaissons mes amis, ça te fait vraiment un pile parler, un pile côté que l'équipe Real de Madrid a été intéressée avec Dybala. Le journal de sport qui confirme l'information, c'est là quand il fait connaître l'équipe Manchester City avec Real de Madrid qui vraiment lancé au derrière Dybala. Real de Madrid après pour offrir et Asensio et pourquoi pas Isco lui-même dans l'échange avec Dybala, mes amis. Donc, une nouvelle qui a fait un pile parler, un pile dans le pays l'Italie. Et toujours dans le pays l'Italie, nous avons le journal Carlo de Sport qui mettait à la une ma mère, quelle déesse, pour lui parler de la DEA lui-même qui c'est l'équipe Atalanta Bergame à son parcours qui a fait dans la Ligue des Champions, que tout le journal a salué. Donc, c'était vraiment une équipe qui était surprenante à Nessa. Mais le journal qui mettait un autre bombe, mes amis, à la une, quand elle mettait mes doutes augmentés sur futur Cristiano Ronaldo dans l'équipe. Le journal qui confirmait encore une fois, mes amis, que Jorge Mendes lui a invité un pour parler avec l'équipe Paris Saint-Germain pour Ronaldo lui a rejoindre l'équipe ça en équipe vini là. Donc, avenir Cristiano Ronaldo lui a encore douté dans l'équipe Juventus de Turin, mes amis, suite avec élimination dans la Ligue des Champions. Il y a un bar qui a fait un pile parler, un pile, mes amis, pour l'équipe Juventus. Ça n'a pas dit ni Ronaldo ni Dybala. Donc, il y a un bar qui a vraiment fait mal à l'équipe Juventus là. Juste avant que nous répondions dans la vidéo, ça, mes amis, quittez nous poser une question. Est-ce que vous avez mis un like en bas de la vidéo déjà? Si vous voulez ça, mes amis, qui sont aptes, mettez un like, courez à ma vidéo parce que ça va encourager nous porter plus de vidéos pour vous. Et si vous parlez de mes vidéos, tout mettez à l'aise, mes amis, mettez un dislike en bas de la vidéo, pas arrêter si vous ne faire rien. Et si vous voulez ensemble avec nous, invitez vous à cliquer sur le bouton rouge dans la vidéo pour vous abonner et activer la cloche de notification comme ça chaque jour pour recevoir toutes nouvelles vidéos. Vous pouvez mettre soit l'actualité football là, ou du moins soit qu'on est de jouer à football. Pour les coups dans le pays Portugal, le journal record qui mettait à la une Vertonghen, mais c'est un dossier qui est déjà fermé avec l'équipe Benfica de Lisbonne.
Mais après que l'équipe ça lui a déjà fait mais plusieurs autres transferts, surtout avec Cebolian qui déjà rejoint l'équipe ça. Et bien tout, Walt Smith lui-même qui déjà rejoint l'équipe ça. Et Cavani lui-même qui est pour parler avec l'équipe Benfica qui presque rejoint l'équipe Benfica, mes amis. Donc c'est vraiment un pile transfert. Et bien encore une fois, l'équipe Benfica lui-même qui signe avec ancien joueur équipe Tottenham. Donc il y a un contrat de 3 ans. Et international belge Alien qui va gagner pour jouer avec l'équipe ça, donc comme latéral gauche ou du moins comme défenseur central. Et bien l'équipe Benfica ça, mes amis, qui continue à frapper fort dans le marché transfert. Et bien du sous réaction du match Paris Saint-Germain, nous qui journal qui dans le pays allemand, mes amis, qui mettait à la une Choupo-Moting, donc il vraiment sauvé la tête de Thomas Tuchel. Et bien si pour un peu le monde c'était Mbappé qui t'a changé match là, ou du moins c'est Neymar Junior qui meilleur joueur match, mais pour journal kicker c'était Choupo-Moting qui t'a sauvé, mes amis, avec deuxième goal qu'il t'a marqué. Pour journal kicker, mais c'était vraiment sauvé pour l'équipe Paris Saint-Germain, mes amis, avec deuxième goal qu'il t'a marqué à la 93e minutes de jeu. Donc qui était pays l'Allemagne, nous parlons d'un pays Angleterre avec journal Daily Mail qui mettait à la une et c'est soit payé ou du moins ou perdu Sancho. Donc on est United qui était vraiment tout prêt là pour faire signer international anglais qui a évolué l'équipe Borussia Dortmund, mais quand même qui tout prêt à perdre. Et bien définitivement l'équipe Borussia Dortmund qui t'a semblé prolonger le contrat avec Sancho lui-même et même payer beaucoup plus qu'elle t'a pas touché l'équipe Manchester United là. Donc on va qui vraiment fait un peu parler un peu plus que United a toujours fait de priorité le Jordan Sancho pour mener l'équipe ça. Mais définitivement, donc le journal a fait qu'on essaie soit payé ou du moins ou vraiment la perdu, monsieur. Est-ce que l'équipe Manchester United n'a pas d'accord pour le payer 120 millions d'euros que l'équipe Borussia Dortmund a demandé à donc à deux dossiers absolus de très près. Toujours dans le pays Angleterre, mais le journal de Guardian même qui réagit sous match Atalanta face à Paris Saint-Germain quand elle mettait à la une Atalanta mais Dream Ends. Donc c'est définitivement une fin de rêve pour l'équipe Atalanta lui-même qui a vécu un grand rêve dans la Ligue des Champions. Mais quand elle mettait à la une exploit que Paris Saint-Germain fait pour capable retourner sous match et battre 2-1 jusqu'à la fin du match. Mais c'est la fin de rêve pour Atalanta Bergame. Et bien réaction qui était tombée dans le pays l'Espagne, notamment avec le journal Mundo Deportivo qui mettait à la une Neymar suivi. Et bien journal qui vraiment fait éloge pour Paris Saint-Germain, il fait qu'on est que aimé Marquinhos avec Choupo-Moting, c'est eux-mêmes qui t'a marqué. Mais quand même, que Neymar n'a pas marqué aucun goal dans la rencontre là, donc il était vraiment un mauvais rêve pour toute défense équipe Atalanta Bergame a tellement été saccagé. Mais journal qui fait qu'on est que Paris Saint-Germain qui qualifié pour la demi-finale, donc il va gagner là pour le temps soit Atlético ou bien RB Leipzig. Même journal qui fait qu'on est que Griezmann il déclaré par la presse, donc il connaît qui ça pour faire pour battre Bayern de Munich. Est-ce que c'est vrai Griezmann? Réponse dans quelques jours qui va venir là. L'autre nouvelle c'est Dembélé lui-même qui voyageait avec équipe là pour aller Lisbonne bien que l'époque au fin reprenne. Et bien il y a Todibo lui-même qui était testé positif, lui-même qui était là car l'équipe pas voyagé. Et bien toujours dans le pays d'Espagne, journal sport lui mettait à la une rumeur à la gloire. Il fait qu'on est que Barcelone est vraiment motivé là pour gagner l'équipe Bayern de Munich là. Et bien une très mauvaise nouvelle pour l'équipe Bayern de Munich là qui a perdu Alphonse Davies. Nous connaît qui c'est vraiment latéral gauche et qui peut mettre un pile dans l'équipe ça. Donc il y a même qui t'a semblé blessé. Et bien journal qui mettait déclaration Griezmann même il fait qu'on est que il y a tous les outils pour battre l'équipe Bayern de Munich là. Est-ce que c'est vrai Griezmann ou même qui c'est vertique Barcelone? Est-ce que vous pensez Barcelone qui a battu Bayern de Munich? Mettez opinion pour nous en commentaire. En tous les cas, rendez-vous à demain si Dieu veut. Toujours dans le pays les soirs que journal As qui mettait à la une entre termes, il mettait au black à la une. Avec déclaration que Oblak l'aime l'y faire, quand il fait qu'on est qu'un y'a pas d'affaire, plus content que gagner Ligue des Champions. Ça, est-ce que nous pensons à Atlético le cap champion année ça, mes amis, mettez opinion pas dans un commentaire, mais quand même, journal à ça qui mettait toute responsabilité pour Oblak. Nous connaissons très bon gardien qui a défendu l'équipe Atlético de Madrid, là, qui a fait la différence, je dis à la. Et bon, côté par le journal Marca, dans le pays d'Espagne, il mettait à la une de quitter pour nous souterrain. Hein. Surtout avec déclaration de Diego Simeone, il fait qu'on est que, mais gagner, je dis à la, c'est pas vraiment important. Donc, gagner à lui-même, c'est vraiment une seule option que yo gagne. Donc, c'est pas gagner qui est important, mais gagner, c'est une seule option. Donc, c'est gagner ou gagner. Parce que je dis à la, c'est un match à côté que tout nec de quitter pour nous souterrain. Nous connaissons Atlético de Madrid, qui c'est une équipe qui vraiment ferme collectivement. Et bien mes amis, comment ça t'aille pour l'équipe Paris Saint-Germain avec l'équipe Atalanta? Donc c'était un match, nous avons Neymar lui-même qui était dans la deuxième minute pour mettre un goal dans le camp qui ne peut pas mettre. Et nous avons un très bon Kélon Navas qui a fait un pile belle parade, notamment avec ballon ça qui pas entré dans le camp. Et avec un autre ballon encore te retiré mes amis, c'était devant un miracle. Et nous avons encore Neymar Junior qui joue un autre ballon pour le mettre dans le camp, il ne peut pas mettre. Mais quand même, le passage de la position par la limite, mettez ballon par là dans le camp 1-0 pour l'équipe Atalanta à la 26e minute de jeu. Et nous avons encore Neymar Junior qui joue notre ballon, mes amis, une mauvaise passe, donc il n'est pas mettre dans le camp encore, mes amis. Donc Neymar Junior qui n'est pas capable de jouer un chemin filaire. Mais quand même, Marquinhos lui-même à la 90e minute de jeu qui est égalisé pour qu'il Paris Saint-Germain. Et nous avons encore Choupo-Moting à la 93e minute de jeu. Donc Paris Saint-Germain qui est dans la douleur, mais définitivement qui est qualifié pour les demi-finales.
Juste avant de voir les guides, nous remercions chaque monde qui regarde les vidéos arrivé jusqu'à la fin. Pas oublier mes amis, juste avant de aller sous votre conversation, mettez un like en bas de la vidéo parce que ça va encourager une beauté plus de vidéos pour vous. Et si vous voulez faire ensemble avec nous, une vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton juste la vidéo pour vous abonner et activer la notification pour ça pour recevoir chaque jour vidéo nous allons mettre sur l'actualité football. Quand vous avez besoin de la prochaine vidéo, que bon Dieu bénisse. Pas oublier mes amis, préparez-nous pour retour Christ à son bail qui est essentiel.